Nous avons jugé de nous déplacer avec eux pour venir ici, premièrement pour une guérison morale, deuxièmement pour qu'ils se reprennent, même physiquement, parce qu'ils étaient déshydratés, même, je peux dire. Et donc, ils sont là avec nous depuis près de 5 semaines. Et là, nous vivons ensemble comme des frères et sœurs. Nous prenons de l'eau, nous faisons manger, nous lavons les vaisseaux. Donc c'est ça qui est comme collaboration de beauté. Parce que nous n'avons pas gagné pour nous bailler nous-mêmes. C'est ça que c'est ce que nous avons fait pour nous bailler. Soit avec des contributions des autres, ou bien avec notre propre fonds, ou bien avec ce qui est possible, nous vivons de toute façon. Mais nous vivons en communauté avec ce qui peut être fait. Et jusqu'à présent, et bien des airs, le Seigneur ne nous a pas laissés. Que tout le monde a parlé de survie. Yo ouais manger, yo ouais caille et puis oublier éducation. Et ça fait depuis début séisme après depuis le 14 quelques éducateurs rassemblés ensemble et puis nous former un projet éducatif en post-séisme. Je vais apprendre et je vais plus fort. Je commence à reprendre ce que j'avais oublié.